Bien, bonjour à vous tous. Vous êtes nombreux en cette belle journée à participer à cette conférence. Je me nomme Alexandre Comeau, du département de philosophie du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on va avoir une conférence de M. Pierre Dardo et M. Christian Laval sur leur livre Dominé, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident. Donc, une conférence avec une thématique très intéressante qui, j'espère, vous plaira. Donc, au nom du département, ben, je vous souhaite du département de philosophie, je vous souhaite la bienvenue. C'est une série de conférences qu'on a organisées cette année. On est déjà à la troisième des conférences. Je vous demande de rester attentif pour les deux suivantes qui promettent aussi. Comment on va organiser cette rencontre d'aujourd'hui, rencontre bien entendu virtuelle? On va laisser la parole tout d'abord à Eric, qui va nous présenter là, les conférenciers du jour. Puis chacun d'entre eux nous entretiendra pour une quinzaine de minutes sur le thème de la domination, sur le thème de l'État. Il y aura aussi des questions de la part d'Eric Martin, là, mon distingué collègue, qui suivront. Pendant ces questions-là, si vous voulez, mais ça peut être n'importe quand durant aussi la présentation des conférenciers, il y a une petite icône Q&A en bas là, de votre page, en bas au centre. C'est là qu'on va essayer de poser toutes les questions qu'on aimerait adresser aux conférenciers aujourd'hui. Donc, vous allez utiliser cette icône-là, Q&A, pour poser vos questions. Ces questions-là seront filtrées, là. Je m'excuse à l'avance si certaines questions ne seront pas posées, mais pour bien fitter, comme on dit en français, avec le discours ou le tempo de la conférence. Donc, les questions seront filtrées. Ça se peut qu'on ne les retienne pas toutes, mais on va quand même s'inspirer de ces questions-là pour poser les questions du public aux conférenciers. Utilisez pas le chat, s'il vous plaît, ça servira à rien. Puis, essayez de formuler des questions assez précises et aussi rigoureuses dans la section Q&A, s'il vous plaît. Alors, c'était mes petites précautions pour le départ. Je vais céder la parole dès maintenant à Eric qui va prendre le relais. Merci beaucoup, Alexandre Comeau. Alors, je m'appelle Éric Martin. Je suis donc professeur également au département de philosophie du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je suis très content de pouvoir aujourd'hui accueillir Pierre Dardo et Christian Laval. Bon, il est bien certain que ce serait un plus grand plaisir de les avoir en chair et en os. Ils sont d'ailleurs venus nous visiter quelques fois dans les dernières années. Mais bon, il y a un mince problème qui s'appelle une pandémie capitaliste mondiale qui nous empêche de les avoir avec nous en vrai. Mais au moins, on réussit à les avoir depuis la France, donc virtuellement. Alors, Christian Laval terminait une conférence avec l'Espagne d'ici quelques minutes, donc il devrait être avec nous. Mais Pierre est déjà en ligne. Alors, je vais commencer par les présenter. Ça va laisser le temps à Christian de se connecter. Pierre Dardo est philosophe, il est chercheur à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Christian Laval est professeur de sociologie dans la même université. Ils ont l'habitude d'écrire souvent ensemble des ouvrages, donc je vais présenter quelques-uns des ouvrages des dernières années. D'abord, La nouvelle raison du monde, qui a été publiée en 2009, c'est un ouvrage sur la critique du néolibéralisme. On va en parler un petit peu tantôt du problème du néolibéralisme, donc un ouvrage assez volumineux sur la question. Par la suite, ils ont fait un ouvrage sur la pensée de Karl Marx qui s'appelle Marx, prénom Karl. Et par la suite, un ouvrage sur la question des communs, les communs étant présentés comme une alternative à la logique du capitalisme globalisé ou mondialisé. On va en parler aussi tantôt de la question des communs comme étant une alternative. Ils ont publié aussi après L'ombre d'octobre, c'est une critique de la façon dont la révolution soviétique a déraillé et comment Lénine. Au début, bien, Lénine et le Parti communiste, au début, semblaient vouloir donner du pouvoir à des conseils ouvriers, qu'on appelait des soviets, à la base et à la démocratie locale. Et finalement, comment cette espèce de virage un peu libertaire ou anarchisant n'a pas duré très longtemps. Et finalement, le pouvoir a été concentré dans l'État et ça a donné Staline et la dictature en URSS, comme chacun le sait. Donc, une critique de cette trahison des soviets par Lénine. Par la suite, ils ont publié ce cauchemar qui ne finit pas, qui est aussi une critique du néolibéralisme. Et finalement, l'ouvrage qui nous occupe aujourd'hui, qui s'appelle Dominé, donc un ouvrage d'environ 720 pages qui porte sur l'histoire de la façon dont l'État s'est mis en place en Occident.
Dernière chose, je dois vous dire que début avril, je crois que c'est le 8 avril, quelque chose comme ça, on va sortir un nouvel ouvrage. Donc, je vais vous afficher la couverture à l'écran. L'ouvrage s'appelle « Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme ». Il va être publié par Pierre Dardot, Aude Guéguen, Christian Laval, Pierre Sauvette, qui sont membres d'un collectif qui s'appelle le GENA. Et donc, ça traite de la façon dont, pour installer partout le néolibéralisme et la mondialisation, on n'hésite pas à employer la force et à mener ce qu'ils appellent une guerre civile contre les populations. On peut penser à Pinochet à l'époque ou à Bolsonaro aujourd'hui. La façon dont on va utiliser le pouvoir de l'État, de l'armée, de la police pour taper sur les résistances et imposer la logique de marché. Donc, ce livre-là sera bientôt sur les écrans de vos librairies, sur les rayons de vos librairies. Et donc, comme vous voyez, on a des gens qui sont quand même prolifiques en la personne de Pierre et Christian. On n'a pas le temps de finir un livre que déjà, il y en a un autre. Donc, ça fait de la lecture durant la pandémie. Bon, alors sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à Pierre pour qu'il puisse commencer sa présentation qui va durer environ 10-15 minutes. Puis par la suite, on va pouvoir entendre Christian lorsqu'il se connectera. Et on aura une période de questions par la suite. Je vais poser des questions. Les gens du public pourront poser des questions. Donc, Pierre, merci beaucoup d'être avec nous et je te cède la parole. Merci, Éric, et bonjour à tous. Et en effet, je vais présenter très rapidement, puisque l'objectif, c'est quand même d'alimenter, d'entretenir et de nourrir la discussion, la thèse que nous soutenons dans ce gros livre, qui fait suite au précédent et notamment à Commun, où il était question justement tout à fait à la fin de la forme de la fédération ou du principe fédératif, pour reprendre les termes de Proudhon. Mais là, ce qui est brutalement posé dans ce gros livre, c'est la question de l'État et de l'attitude à l'égard de l'État. Voilà, pour dire les choses d'une manière extrêmement précise, avec une double position en ligne de mire, si je puis dire, en tout cas qui fait l'objet de notre critique d'emblée. Une première position que j'appellerais une position étatiste, qui est aujourd'hui représentée par un certain nombre d'auteurs, mais qui consiste à dire que finalement, la seule ressource dont disposent les opprimés vis-à-vis de la globalisation capitaliste et néolibérale, c'est l'État. Donc l'État est une arme, l'État est une ressource et une arme, et c'est quelque chose dont il faut se servir aujourd'hui, parce que c'est la seule planche de chalut. Et puis il y a, d'autre part, une position, alors nous ne les mettons pas sur le même plan, mais nous épinglons en même temps cette position-là dans l'introduction de Dominé. Il y a une position qu'on pourrait appeler néo-foucauldienne, qui consiste à dire que le problème de la souveraineté de l'État a été d'ores et déjà liquidé pratiquement par le néolibéralisme, par le capitalisme néolibéral. C'est-à-dire que finalement, la souveraineté de l'État, c'est une illusion qui survit à elle-même. On est passé à un autre régime de pouvoir, il ne s'agit plus de la souveraineté, mais il s'agit d'autre chose, soit d'une forme impériale pour Negri, par exemple, soit quelque chose d'assez différent, un peu plus classiquement foucauldien chez Wayne Brown, où il est question justement de ces formes que Foucault appelait les formes de la normativité, ou les formes de la discipline, ou les formes de la sécurité, des dispositifs de sécurité. Bon, vous voyez, d'emblée, il y a une volonté de prendre cette question de l'État à bras-le-corps, de ne pas l'esquiver. Et il y a une thèse très simple, pour résumer, hein, pour aller vraiment droit à l'essentiel, il y a une thèse très simple qui est soutenue, c'est que précisément la souveraineté de l'État est domination, et par essence domination, consiste d'abord et avant tout en une domination. Alors, cette thèse n'est pas facilement, encore une fois, partagée par un certain nombre d'auteurs et de gens, mais il nous apparaît qu'elle est tout à fait essentielle. Mais il faut se faire, pour la comprendre, une idée assez précise de ce que signifie la notion de domination. Nous avons parlé de cette notion-là dès l'introduction, nous avons fait référence à un certain nombre d'auteurs, nous avons considéré qu'ici, il n'était pas question justement d'une domination comme une relation entre des personnes, puisque la relation de domination est classiquement entendue comme une relation entre des personnes. Alors, c'est le cas, par exemple, dans la philosophie classique, c'est le cas chez Hobbes en particulier, où il est question de la domination comme d'une relation interpersonnelle, par exemple la relation qui existe entre un maître et son serviteur, ou la relation qui existe entre le père de famille et ses enfants. Et puis, il y a, disons, une relation que nous considérons comme étant caractéristique de la souveraineté de l'État moderne, qui est une relation, justement, non personnelle, une relation qui fait de l'État, finalement, quelque chose qui relève d'une domination impersonnelle, domination impersonnelle et permanente. Nous insistons beaucoup sur cette idée. Par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles Foucault a eu du mal
à penser la souveraineté comme domination. Il s'y refuse même d'une façon tout à fait explicite, puisqu'il oppose la souveraineté à la domination. Pourquoi? Parce qu'il ramène la souveraineté à un rapport entre deux volontés, la volonté qui est celle du souverain et la volonté qui est celle de ses sujets. Et dans cette mesure-là, il considère que justement, entre les deux, il y a une exclusion ou une incompatibilité, que la souveraineté, par conséquent, par essence, ne peut pas être une domination. Nous affirmons au contraire cela, et nous le faisons à partir d'un concept de la domination que nous essayons de réélaborer, mais à partir d'emprunts dont nous ne touchons pas, en particulier à la sociologie de Weber, puisque chez Weber, vous avez une insistance sur le pouvoir qu'il appelle administratif. Vous avez le pouvoir du prince, vous avez le pouvoir du père sur ses enfants, mais Weber ajoute, vous avez un pouvoir qui est un pouvoir d'un type particulier, qui est le pouvoir administratif. Or, ce pouvoir administratif, si on creuse la notion, nous met précisément sur la voie de ce en quoi consiste la souveraineté de l'État moderne. Un pouvoir administratif, c'est un pouvoir qui s'exerce donc, certes, à travers des personnes et par l'intermédiaire de personnes, mais qui est irréductible au rôle que jouent à tel ou tel moment ces personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui s'affirme en permanence, quelles que soient les personnes qui passent à tour de rôle pour occuper une certaine fonction à l'intérieur de la machinerie administrative. C'est ça qui nous paraît très important. C'est cette idée-là qui nous paraît très importante. Puisque la notion de souveraineté de l'État, je parle de la souveraineté de l'État, et nous parlons avec Christian de la souveraineté de l'État. Il n'est pas question de la souveraineté en général. La souveraineté de l'État s'entend, par conséquent, d'une personne que l'on peut dire personne publique. L'une des fictions qui a soutenu la création de l'État moderne dès le début, c'est justement la fiction fondatrice de l'État comme personne publique. Il y a les personnes naturelles, il y a les personnes physiques, les administrateurs ou les gens qui occupent une fonction, y compris dans le pouvoir au sommet de l'État, ne sont que des dépositaires, ils ne sont pas des propriétaires, ils passent, mais l'État, lui, demeure. L'État demeure parce que, justement, il est une personne publique qui est irréductible à ces personnes physiques. C'est un point pour nous qui est excessivement important. Ça nous permet justement de mettre le doigt sur une dimension qui est la plupart du temps un peu négligée de la domination de l'État. C'est ce que j'appellerais, ce que nous appelons dans l'introduction du livre, justement la dimension de la croyance, la dimension de la fiction et de la croyance. Je terminerai sur ces deux notions pour les mettre en relation et puis ensuite... Christian pourra compléter, mais ça suffit comme présentation en guise d'introduction. Alors, fiction et croyance, c'est une fiction, bien sûr, au sens d'une fiction juridique. La fiction de l'État comme personne publique est une fiction juridique. Elle a été créée par un travail extrêmement patient qui a occupé plusieurs siècles, d'ailleurs, de la part des légistes, de la part des juristes. C'est un travail absolument considérable que celui qui a consisté justement à imposer l'État comme personne publique. Et on ne peut pas du tout négliger ce travail séculaire si on prend à bras-le-corps la question de la souveraineté de l'État aujourd'hui, ça n'est pas possible. Toute la question est de savoir justement comment on passe de cette fiction de l'État comme personne publique, donc personne qui est indépendante des différentes personnes physiques qui sont amenées à diriger le personnel de l'État pendant telle ou telle durée, eh bien, comment donc cette fiction-là donne naissance à une croyance? Parce que le nœud, finalement, du problème, c'est un livre de 700 et quelques pages, mais qui tourne autour de la relation entre ces deux notions que sont la fiction d'une part et la croyance. La fiction ne produit pas d'elle-même naturellement, en quelque sorte, la croyance. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. La fiction, on peut parfaitement justement la tenir pour une fiction et ne pas y croire. Mais le problème justement de la construction de l'État moderne, c'est que la fiction a été produite par un travail des juristes et qu'en même temps, il y a tout un travail symbolique qui a été fait, auquel les juristes ont également participé, et ce travail symbolique vise à produire la croyance chez les membres de l'État. Alors, quelle croyance? Parce que la notion de croyance est une notion extrêmement vaste. Je dirais simplement que c'est une croyance en la supériorité des représentants de l'État. Croyance dans les pouvoirs supérieurs que détiendraient les représentants de l'État et qui les légitimeraient à exercer justement leur pouvoir sur la société, sur les membres de la société. Donc finalement, on aurait affaire ici à quelque chose qui serait une croyance dans ce qu'on appelle, à la suite de Kantorowicz, les mystères de l'État. Hein, les mystères de l'État,
C'est-à-dire, dans Mysterium, justement, il y a l'idée de pouvoir caché, dans les pouvoirs cachés que détiendraient les représentants de l'État parce qu'ils sont des représentants de cette personne publique, pouvoirs cachés qui justifieraient leur éminence et leur supériorité et le fait que, justement, il n'est pas à rendre de compte à ceux qui sont gouvernés ou dominés par eux. C'est un point qui est extrêmement important. On en reparlera, j'en suis sûr, lorsque Eric abordera ces questions de la responsabilité et de l'irresponsabilité, mais nous définissons justement le régime de la souveraineté étatique comme un régime d'irresponsabilité des représentants de l'État à l'égard des citoyens, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas de compte finalement à rendre aux citoyens. Ils peuvent toujours justement se prévaloir de cette position de supériorité pour échapper à toute responsabilité véritable. Voilà, je présente comme ça, de manière très, très synthétique, la thèse fondamentale de dominer, c'est-à-dire le fait que la souveraineté de l'État consiste en une domination. J'ai terminé pour ma part. Merci Pierre. On va céder la parole à Christian qui va pouvoir nous faire sa présentation et par la suite, on passera aux questions. Oui, merci de cette invitation. D'abord, je suis content de tous vous retrouver. Je suis d'accord avec Pierre hein, sur la thèse fondamentale du livre. Mais j'ajouterais aussi que c'est un livre d'histoire. Enfin, nous avons voulu faire l'histoire de l'État moderne. Et c'est une histoire, je dirais, massive et énorme de près de 10 siècles. Donc, le matériau que nous avons accumulé, que nous avons traité, est lui-même énorme, ce qui explique aussi les dimensions du livre. Mais ce livre a aussi des enjeux politiques contemporains. Donc, ce n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un livre politique, au sens où il nous semble qu'il y a un certain nombre de thèses avec Pierre qui sont tout à fait contestables, en tout cas qui sont discutables. L'une de ces thèses aujourd'hui pourrait l'appeler la thèse de la fin de la souveraineté de l'État. En gros, pour la résumer, on pourrait dire que toute une série de gens expliquent que les marchés ou le néolibéralisme, le capitalisme sauvage ou nomade, voilà, tous ces processus économiques ont mis fin à la formation d'État ou au résultat de cette formation de 10 siècles d'histoire pour des raisons évidemment assez évidentes et pour certaines tout à fait fondées empiriquement. En gros, l'idée, c'est que voilà, il y a d'un côté des instances transnationales ou supranationales qui ont un impact formidable sur les sociétés. Donc, ce sont d'une part des instances, je dirais, publiques ou parapubliques ou intergouvernementales ou internationales, et puis d'autre part des puissances privées. On pense évidemment aux multinationales, aux agences financières, etc. Au fond, tous ces gens, tous ces acteurs plus exactement, donc mettrait en question, mettrait en cause, minerait, au fond, la souveraineté de l'État, de sorte que s'opposer au capitalisme débridé, financier, s'opposer au néolibéralisme, devrait passer par un renforcement de la souveraineté des États. La défense d'abord de la souveraineté des États et leur renforcement face à la puissance des marchés. Donc, c'est ce qu'on appelle le souverainisme. Alors, ce souverainisme, on sait qu'il prend des formes assez polarisées. Il y a un souverainisme de droite et un souverainisme de gauche. Bon, la thèse mérite d'être discutée. Donc, nous l'avons fait dans le dernier livre, Le choix de la guerre civile. Mais il faut bien comprendre que dominer s'inscrit aussi dans cette réflexion. Car au fond, si il est incontestable que les droits du capital, parler ça, ont été absolutisés, se sont imposés partout, on ne peut pas, selon nous, en déduire que l'État s'est complètement rétracté ou qu'il n'aurait cessé de reculer
ou même qu'il aurait été purement et simplement anéanti par la puissance du capital. Et il nous semble que là, il y a une erreur de perspective et donc aussi une faute politique et des erreurs stratégiques qui en découlent. Donc voilà, l'enjeu politique, il est pour nous celui-là. C'est de contester la thèse de la fin de la souveraineté étatique. Pourquoi ? Parce que, précisément, néolibéralisme et État, je dirais, font bon ménage. Ou d'une certaine façon, le néolibéralisme ne peut triompher, ne peut s'imposer partout que s'il investit justement la souveraineté de l'État, mobilise ses armes, sollicite ses références symboliques, etc. Et ça se voit absolument partout. Si on veut comprendre, par exemple, ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qui se passe encore aujourd'hui, ce fort mouvement nationaliste qui s'impose un peu partout, on ne peut le comprendre que justement par cette réinvestissement de l'État, cet investissement néolibéral de l'État, qui d'une certaine façon n'est pas une chose absolument nouvelle. Au XIXe siècle, il suffit de se rappeler au fond un certain nombre de passages assez classiques et très connus de Marx, qui avait bien souligné que la domination sociale de la bourgeoisie supposait justement une certaine forme d'intervention de l'État, une autonomisation de l'État. Je dirais même que la domination bureaucratique de l'État qui faisait passer des intérêts particuliers pour de l'intérêt général était quelque chose considéré comme absolument indispensable. Mais pour nous, au fond, le fait que le néolibéralisme ait accentué les inégalités, qu'il ait intensifié les conflits, fait que l'État est d'autant plus indispensable aux classes dominantes. Alors, il faut aussi se souvenir que la mondialisation, ce n'est pas d'emblée un processus qui est étranger aux États. Il a été, ce phénomène a été constitué par les États, par une série de choix politiques qui ont présidé à la libéralisation des flux de marchandises et de capitaux. Appuyé par des discours très officiels, des discours gouvernementaux, en faveur justement de cette libération des marchés. Et au fond, c'est surtout peut-être le fait que les États, non seulement ne sont pas indifférents, mais ils sont parvenus à s'entendre avec, évidemment, les grandes entreprises, les multinationales et les acteurs financiers, sur les règles de libre circulation des capitaux et des marchandises. Et ils se sont donné le rôle d'intervenir dans chacun de leurs pays, dans chaque territoire, pour imposer ces mêmes règles. Et comment l'ont-ils fait ? Comment l'ont-ils fait ? Non pas simplement en disant il n'y a plus de frontières, tout est libre, vous pouvez circuler partout, il n'y a plus d'État, etc. Mais par des interventions systématiques, par des réformes structurelles, comme on les a appelées, qui ont visé à importer justement ces contraintes globales dans le champ national. Donc, d'une certaine façon, on peut bien admettre que les États ont changé du fait du néolibéralisme, ils ont certainement modifié les objectifs, ils ont pu transformer et les formes institutionnelles et le contenu des politiques. Ça, on peut bien tout à fait l'admettre, mais en tout cas, ce que l'on doit refuser, c'est l'idée sur laquelle la globalisation elle-même permettrait de se passer des États et de la domination, justement, que Pierre a décrite à l'instant. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Alors, ça veut dire que l'État reste souverain, et je dirais à certains égards, plus que jamais. Avec les formes de domination, les formes violentes, les formes répressives, oppressives, qui se manifestent un peu partout, qu'on voit un peu partout, justement, sont reliées avec les logiques de la globalisation.
Donc, c'est un peu ça qu'on a voulu dire. Et on a voulu également ajouter, je terminerai là-dessus, sur le fait que le souverainisme de droite ou de gauche prétend pouvoir régler des questions qui sont posées par la globalisation économique, financière ou culturelle, comme si aujourd'hui, donc, les États souverains pouvaient donc faire face aux défis, aux grands défis de l'humanité. Pierre a souligné une thèse très importante, qui est que, contrairement à ce qu'on croit, l'État se présente justement comme une puissance irresponsable. On le voit bien, par exemple, lorsqu'il s'agit de la question climatique. Les accords de Paris sont une magnifique chose, mais on voit bien à quel point les logiques de concurrence, d'affrontement, de rivalité, de puissance sont encore extrêmement actives et nuisent à ce qui serait urgemment nécessaire, c'est-à-dire une politique mondiale du climat. D'où le fait que, on en discutera, pour nous, aujourd'hui, l'organisation interétatique mondiale, dont le principe de base est la souveraineté, constitue un obstacle, et on pourrait dire tragique, un obstacle tragique aux politiques qui seraient nécessaires à mettre en place, ou plus exactement à la politique du monde qui serait aujourd'hui indispensable pour faire face donc aux défis qui se posent à l'humanité. Parce que, comme chacun sait maintenant, il y a un danger urgent. On a la pandémie, Eric, tu as bien fait de le rappeler. Mais il y a derrière, ou à côté, ou après, ou pendant cette pandémie, il y a aussi, évidemment, des questions comme celle du climat. Or, comment penser, c'est peut-être un des enjeux fondamentaux du bouquin, comment penser une politique responsable aujourd'hui si on ne peut surtout pas faire confiance d'un côté au capitalisme même verdissant ou verdoyant, ni aux États en lutte les uns contre les autres pour affirmer leur logique de puissance. Donc voilà un peu les enjeux politiques, je dirais, les plus forts, les plus importants qui nous ont amenés à écrire ce livre. Merci beaucoup, Christian. Peut-être pour résumer, donc, si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, on nous dit depuis des années que face à la mondialisation, face à la crise écologique, bon, on parle aussi de la pandémie, que la solution, hein, ce serait de renforcer l'État contre le néolibéralisme. Et vous êtes en train de nous envoyer un message provocateur, on pourrait dire. Hein? Au fond, l'État n'est pas la solution, il ferait partie du problème. Et donc, les gens qui, à travers le monde aujourd'hui, pensent que renforcer l'État serait une solution, ils seraient dans l'erreur, hein? C'est ce que vous nous dites, je pense, si je comprends bien. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut se débarrasser complètement de l'État? Est-ce que vous êtes en train de nous tenir un discours, on pourrait dire, comme les anarchistes, c'est-à-dire il faut détruire l'État? Ou est-ce que vous êtes sur une autre ligne, juste pour clarifier pour les étudiants puis pour les participants peut-être là? Bon, alors il y a une question, il y a une double question en fait dans ta question, je te remercie. Il y a une première question qui porte un petit peu sur la caractérisation du néolibéralisme, et il y a une deuxième question qui porte sur l'existence de l'État en tant que tel et notre attitude par rapport à l'État en tant que tel. Les deux ne sont pas nécessairement liés. Ils peuvent être liés dans ton esprit lorsque tu poses la question, mais on pourrait parfaitement les dissocier. Alors, en ce qui concerne le premier volet, ou plutôt la première question, alors je crois qu'il y a en effet un désaccord avec un diagnostic qui est assez largement partagé, notamment à gauche, qui fait du néolibéralisme quelque chose qui relèverait du désengagement de l'État, du retrait de l'État, une conception, si tu veux, qui serait purement négative et déficitaire du néolibéralisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est d'abord et avant tout la déréglementation, la dérégulation, alors qu'il nous semble au contraire très important d'affirmer que le néolibéralisme, c'est aussi, et c'est peut-être surtout, la production de nouvelles normes, la production de nouvelles règles. Alors, Saskia Sassen a montré ça, en particulier dans ses travaux, mais c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important
il faut substituer à la conception purement négative du néolibéralisme une conception positive, qui insiste sur la positivité du néolibéralisme. Il y a un mode d'exercice du pouvoir, un mode de gouvernement qui est positif et pas simplement négatif, pas simplement une réaction en contre par rapport à l'état social, par rapport à ce qui existait avant le début des années 80, puisqu'on date généralement la contre-révolution néolibérale de ces expériences du début des années 80, sans oublier, peut-être c'est même quelque chose de très important pour nous, la contre-révolution néolibérale qui a eu lieu en 73-75 au Chili, dans le Chili de Pinochet, et sur laquelle nous insistons dans le nouveau livre, Le choix de la guerre civile. Donc, il y a un premier point absolument fondamental qui est cette intervention en particulier dans le domaine du droit. Il y a un effort constant et assez remarquable des différents États sous des formes très différentes en fonction des traditions nationales, mais cet effort consiste à constitutionnaliser le droit privé. Il y a quelque chose de très positif, et donc pas du tout de négatif, dans le néolibéralisme, c'est un travail de constitutionnalisation des règles du droit privé. Un droit privé, donc droit privé pénal, le droit privé incluant bien sûr le droit commercial, le droit d'entreprendre, etc. Quand je dis droit privé, ça veut dire que ça concerne la personne en tant que personne privée ou l'individu privé. Et ça peut prendre des formes très différentes. Ça prend par exemple une forme tout à fait particulière bien sûr au Chili. Ça prend une forme différente avec Bolsonaro, puisqu'il y a eu des modifications constitutionnelles qui ont été faites pour justement constitutionnaliser des règles qui sont des règles néolibérales pures. Par exemple, le fait de geler les dépenses de l'État pendant une durée de 20 ans. Bon, ces choses-là font partie intrinsèquement du néolibéralisme. Et ce sont donc des choses qu'il faut absolument prendre en compte. Il y a ce que nous appelons donc un constitutionnalisme de marché, qui prend différentes formes. Ça prend une forme différente dans l'Union européenne. Mais le constitutionnalisme de marché est également quelque chose de présent dans la construction même de l'Union européenne à partir d'un certain seuil, disons, sans détailler, mais ça nous paraît extrêmement important d'insister là-dessus. Voilà, ça c'est le premier point. Donc la question est de savoir, au libéralisme, ou plutôt au néolibéralisme, compris de cette manière-là, c'est-à-dire positivement, que faut-il opposer ? Voilà. Et là, on rencontre en effet le problème de l'État. Pourquoi est-il un obstacle et pas un recours ? Pourquoi n'est-il pas une arme ou une solution ? Comme beaucoup le pensent, bien précisément parce que, comme l'a rappelé Christian, la souveraineté étatique est une condition fondamentale de la rationalité qui est celle du néolibéralisme. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui permet de résumer à elle seule le néolibéralisme, mais c'est une condition fondamentale. C'est-à-dire que tous les pouvoirs disciplinaires analysés par Foucault, les dispositifs de sécurité, etc., tous ces pouvoirs qui s'interpénètrent, se chevauchent, se renforcent mutuellement, présupposent comme leur condition fondamentale cette souveraineté de l'État. C'est l'État souverain aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est l'État qui fait du capital global sa raison. La raison d'État, c'est le capital global. C'est-à-dire que l'État intervient à l'échelle nationale pour créer les conditions les meilleures, les conditions optimales de la circulation du capital. Et la forme que prend la souveraineté de l'État aujourd'hui, c'est précisément ça. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'en effet, c'est quelque chose qui est un obstacle. Et ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes anarchistes à la manière dont pouvait l'être Bakounine. Je laisse de côté Proudhon parce que c'est un peu particulier, mais si je prends par exemple Bakounine, nous ne sommes pas, par exemple, nous ne partageons pas la position de Bakounine en 1800, je crois que c'était en septembre 1870, il était sur le balcon de l'hôtel de ville de Lyon. C'était bien avant la Commune, quelques mois avant la Commune de Paris. Et il décrète, alors ça a été reproduit en affiche ensuite, mais c'est une déclaration un peu grandiloquente comme ça, la machine administrative et gouvernementale de l'État est abolie. Non, ça c'est pas du tout notre position, et de penser qu'on puisse abolir la machine administrative et gouvernementale de l'État, c'est se faire vraiment des illusions. Donc nous sommes, moi je le dis très franchement, pour moi, en tout cas, je suis libertaire, c'est-à-dire anti-autoritaire, mais je ne suis pas pour autant anarchiste, parce que l'anarchisme signifie le rejet de toute forme de gouvernement. Et avec Christian, nous sommes favorables à l'autogouvernement populaire, ce qui n'est pas l'absence de tout gouvernement. Oui, si je peux juste ajouter
un mot. En fait, il y a une espèce de partage souvent entre ce qu'on pourrait appeler la statolatrie d'un côté, et bon, Dieu sait si à gauche il y a des statolâtres, des adorateurs de l'État. Bon, c'en est plein. Mais il y a aussi les statophobes qui, dès qu'on prononce le mot État, donc ont une allergie. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Et comme nous l'avions montré dans Commun, nous avons pris assez au sérieux le fait que bien, l'État s'est aussi développé sous la forme de services publics, mais justement de services publics à transformer, qui sont très loin justement d'être conformes à leur destination officielle, c'est-à-dire de satisfaire des besoins fondamentaux, et qui sont imprégnés justement de verticalisme, de bureaucratie, et qui sont dirigés de façon justement autoritaire, parce que aussi dépendant de la logique de la souveraineté. Donc pour nous, la grande question, ce n'est pas de rejeter l'État pour former partout des petites communes totalement indépendantes les unes des autres, ou je ne sais quoi. C'est aussi de transformer, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui les services publics et de les transformer en ce que nous avons appelé les institutions du commun, c'est-à-dire en instaurant d'autres rapports entre les acteurs qui fournissent ces services publics et les usagers et les citoyens. Je crois que c'est surtout c'est quelque chose qui manque souvent à ce qu'on appelle la pensée libertaire ou anarchiste, c'est-à-dire la prise en compte finalement de ces services-là qui, lorsque la pensée anarchiste s'est développée à la fin du XIXe siècle, n'existaient pas. Il y a quelques exemples, quelques exceptions, comme par exemple le Belge César de Pepe, qui pense par exemple à la question des chemins de fer. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'un autogouvernement, une société autogouvernée, avec des réseaux de chemins de fer à l'échelle d'une nation ou de l'Europe? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut prendre très au sérieux aujourd'hui. Merci Christian. Peut-être on peut revenir un petit peu en arrière, au plan historique, pour essayer de voir d'abord comment on peut définir la souveraineté de l'État, définir l'État. Bon, donc question de définition. Essayer de voir comment c'est apparu. Vous nous partez ça à peu près autour de l'an 1300, si ma mémoire est bonne. Donc, retournons, si on veut, à la Révolution grégorienne et faisons une brève historique de comment on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui. Bon, brève historique. Parce que ça commence en 1075. Alors, ce que nous voulons dire, en fait, nous consacrons un chapitre entier à ce que tu as appelé la Révolution grégorienne pour bien indiquer que pour nous, le point de départ de la formation de l'État moderne, c'est justement la constitution de l'Église-État. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier parce que l'Église hyper verticalisée de Grégoire VII a constitué le modèle à partir duquel les États séculiers ont cherché à se former et finalement se sont formés. C'est un point très, très important. Donc, il y a une déclaration de souveraineté sans ambiguïté de la part du pape. C'est en particulier dirigé contre les empereurs, bien sûr, contre Henri IV, contre le Saint-Empire romain germanique. C'est assez violent, c'est même très violent dans le ton. Les correspondances, les échanges épistolaires de l'époque, les lettres de Grégoire VII sont très rares violences sur le plan du ton. Mais c'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur le fait que le pape est souverain à l'intérieur de l'Église et que l'Église elle-même est souveraine dans ses rapports avec les empereurs et avec les rois. Alors, c'est ce qu'on a appelé généralement ce qu'on appelle la querelle des investitures, qui a le pouvoir d'investir les évêques. Et Grégoire VII dit dans un texte justement de 1075, seul le pape a le pouvoir d'investir les évêques et absolument pas les empereurs ou les rois. C'est un point essentiel. Mais dans cette déclaration qui comprend 27 propositions, ce qui est essentiel, c'est l'affirmation. Alors sans arrêt, il y a seul il peut. Sont les attributions, les prérogatives que le souverain pontife, comme il s'appelle, se réserve lui-même à lui-même. Voilà. Et dedans, il y a en particulier quelque chose qui est fondamental, qui consiste à poser que seul le pape a le pouvoir de changer les lois selon les besoins du temps. Formule extraordinaire.
Parce que la souveraineté de l'État s'est précisément définie comme le pouvoir qu'avait l'État à travers ses représentants de modifier, de changer les lois en fonction précisément des opportunités. Donc, c'est un pouvoir qui, en tant que tel, est supérieur parce qu'il est situé au-dessus de la contrainte ou du pouvoir d'obligation qui est celui des lois. Les lois obligent les sujets qui sont soumis aux lois, mais n'obligent pas ceux qui les font. Voilà, il y a une sorte de postulation comme ça, tout à fait fondamentale, qui est posée dès la fin du XIe siècle par Grégoire VII. Et puis, il y a d'autres choses encore, peu importe, on passerait beaucoup de temps, mais dans cette proclamation, il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a un pouvoir administratif qui est extrêmement concentré, extrêmement vertical, qui est tenu fermement par le souverain pontife, et les États, qui ne se constituent pas tout de suite, vont prendre pour modèle en se disant « mais pourquoi ne ferait-on pas la même chose ?» Alors, ça prend des formes diverses, ça prend des formes… Il y a Henri II, au XIIe siècle, en Angleterre, il y a bien sûr Philippe Auguste, France, il y a Roger II de Sicile, les rois normands de Sicile vont avoir une importance très grande, avant même Frédéric II, et tous ces gens-là ont essayé justement de construire des États séculiers à partir du modèle de l'Église. Mais cette rivalité, justement, avec l'Église, va être une rivalité d'ordre mimétique, c'est-à-dire que c'est entre les deux à celui qui s'affirmera comme étant justement le premier, celui qui est le plus en avance. Et cette rivalité-là va nous conduire jusqu'au XVIIe siècle et même au-delà, puisque c'est précisément à cette époque-là que vous avez des gens qui affirment d'une manière extrêmement forte la supériorité du souverain, du roi, relativement au souverain pontife. Jacques Ier d'Angleterre, par exemple, 1606-1610, est un de ceux qui vont le plus loin dans cette voie-là, en obligeant ses sujets catholiques à observer, plutôt à signer un serment d'allégeance à l'égard de sa personne. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas banal. Bon, on parle bien sûr de Louis XIII ou de Louis XIV, surtout Louis XIV en France, mais disons qu'il y a toute une construction comme ça. Il ne faut pas penser comme une sorte de rouleau compresseur irrésistible. On n'a pas le temps d'en parler, mais on localise effectivement ce point de 1300, ce tournant de 1300, parce que le début du XIVe siècle marque très certainement une bifurcation. L'histoire est pleine de bifurcations, de chemins comme ça, soit de chemins de traverse qui finissent en impasse, soit ensuite de grandes voies qui sont adoptées et appelées à généraliser. Mais ce qui est très important, c'est que justement, il y a au début du XIVe siècle ce tournant qui s'opère. Et avant, il y a des choses très prometteuses. Par exemple, encore au XIIe siècle, il y a cet essor des communes urbaines en Italie qui sont autogouvernées, parce que vous avez un fonctionnaire qui est appointé, qui est le podesta, qui exerce ses fonctions pendant 6 mois, qui est un étranger et qui doit rendre compte de sa gestion auprès de l'instance citoyenne qu'il a élue. Bon, ça veut dire qu'il aurait pu y avoir, dans certains pays, et pourquoi pas à l'échelle d'une partie de l'Europe, une autre voie que celle qui a été empruntée, au lieu de l'État souverain, l'autogouvernement communal. Merci Pierre. En fait, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de revenir justement sur cette espèce de tension que tu viens d'illustrer entre d'un côté la voie qui a été suivie à partir des papes et des rois, qui a été la voie d'une centralisation dans l'État, qu'on va aussi retrouver au moment de la Révolution française, hein, chez les Jacobins, par exemple, qui veulent centraliser le pouvoir à Paris. Et de l'autre côté, la deuxième voie que tu as présentée, qui malheureusement, ce n'est pas celle qui a gagné dans l'histoire, mais elle a toujours été là, un peu par en bas, comme quelque chose qui résistait, cette tendance que tu as appelée la tendance à l'autogouvernement communal. Donc, peut-être nous expliquer comment, par exemple, au moment de la Révolution française, il y a eu cette opposition entre le haut et le bas, entre le pouvoir, disons, centralisateur de l'État et de l'autre côté, le pouvoir du peuple ou des sans-culottes. Oui, si je peux répondre à cette question, c'est vrai que, à la fois, l'histoire n'est pas absolument continue, c'est-à-dire que tout ne s'est pas joué, au fond, à partir d'un centre qui aurait grossi et qui aurait imposé de façon absolument inexorable sa logique. Il y a eu des retournements de situation, des luttes, des contradictions, et
Et l'histoire européenne aurait pu être autre qu'elle n'a été. En particulier, les révolutions communales, les révoltes communales, qui ont jalonné toute l'histoire finalement européenne, auraient pu donner toute autre configuration politique à cet ensemble territorial qu'on appelle l'Europe. Il y a des gens, en particulier Proudhon, justement, mais d'autres aussi, l'historien Augustin Thierry avant lui, qui ont justement vanté tout ce qui s'était produit comme revendication et formation de l'autonomie locale. Et c'est vrai que la Révolution française rejoue la chose. Incontestablement, tu as raison de dire qu'il y a une opposition interne dans la Révolution française et parmi les révolutionnaires entre ceux qui vont, je dirais, renforcer la logique centralisatrice. Et ça, bon, je ne reviens pas sur les grands classiques qui l'ont montré, Tocqueville, Marx, qui a lu Tocqueville aussi et qui finalement refait à peu près la même histoire dans le 18 primaire, hein, lorsqu'il montre justement que la révolution plutôt perfectionnait l'appareil étatique et bureaucratique. Mais au fond, dans ces histoires-là, celles de Tocqueville, celles de Marx et de beaucoup d'autres, il manque peut-être quelque chose d'important que nous avons tenu à souligner, qui est le fait qu'il y a une tension dans ce qu'on entend par souveraineté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant quand on relit les écrits révolutionnaires. Il y a d'un côté l'idée selon laquelle la souveraineté doit être, le titulaire de la souveraineté doit être la nation. On connaît les thèses de Sieyès, ce point. Et la nation, finalement, qui est titulaire de la souveraineté, elle ne peut l'exercer que par la voie de représentants, et donc par la voie d'assemblées élues de façon censitaire ou non, mais peu importe. D'une certaine façon, ce sont les représentants qui doivent avoir le monopole de l'exercice finalement de la souveraineté nationale. Mais pendant la Révolution française, il se passe tout à fait autre chose. Il se passe quelque chose de plus compliqué, un autre processus qui vient percuter finalement cette thèse centrale et dominante des assemblées élues, de la représentation élue, qui est la revendication, et plus que la revendication, la mise en œuvre d'une souveraineté populaire dans les sections populaires, dans les sociétés populaires, dans les assemblées des sections, où vous avez des gens, des Parisiens, mais il n'y a pas que les Parisiens, qui disent, mais finalement, la souveraineté, la vraie souveraineté, c'est celle que nous exerçons directement dans nos districts ou dans nos sections. Ce sont les décisions que nous prenons, ce sont les débats que nous avons, ce sont et c'est le peuple qui directement, le peuple assemblé dans ces sections et ces sociétés, qui a la souveraineté. Donc il y a un conflit dans le cadre justement de la catégorie de souveraineté, si je puis dire. Ce cadre de la souveraineté s'impose à tous. Ça, c'est absolument incontestable. Et je dirais même que même les sans-culottes sont partagés, sont traversés par cette tension entre la souveraineté nationale exercée par l'Assemblée et d'autre part la souveraineté populaire dans des formes, dans des organes qui leur sont propres et qui sont locaux. Donc, ça, c'est un point qui nous a semblé important. On a souvent relevé, surtout dans l'historiographie marxiste, le conflit de classe, l'interprétation des tensions internes à la Révolution. C'est consiste à dire que, au fond, la note dominante, si je puis dire, c'est l'affrontement de la bourgeoisie contre le féodalisme et contre l'aristocratie. Bon. Et puis que la bourgeoisie est en quelque sorte doublée ou poussée par un mouvement populaire qui excède les revendications bourgeoises à la liberté du marché, à la propriété, etc. Et en réalité, nous, ce qu'on montre, c'est que sans nier du tout ces conflits de classe,
c'est qu'il y a aussi des conflits directement politiques, symboliques et juridiques autour de la question de la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté ? Et ça, ça va avoir une importance dans toutes les autres révolutions, les révolutions ultérieures, jusqu'au XXe siècle, et ça sera tout à fait déterminant dans l'histoire du socialisme. Justement, ce serait peut-être la prochaine question. Cette même tension entre la centralisation et l'autogouvernement populaire ou l'autogouvernement à la base, est-ce qu'on ne la voit pas également? Vous avez un chapitre dans le livre qui est consacré à ça, dans la tension entre les différentes composantes de la gauche ou du mouvement socialiste. Exemple, d'un côté Saint-Simon ou Marx, de l'autre côté, par exemple, Proudhon ou Louis Blanc. Donc, est-ce qu'on peut parler de cette tension interne au mouvement socialiste ou à la gauche entre ceux qui sont les partisans d'un État centralisé et ceux qui sont plutôt dans la défense de l'autogouvernement populaire? Oui, oui, c'est vrai, mais je ne mettrais pas Proudhon et Louis Blanc du même côté. Ils se détestaient, ils se détestaient absolument royalement. Il y a des polémiques entre les deux, parce que justement, ils incarneraient plutôt, si je puis dire, les deux pôles que tu as définis. Oui, je pense que ce qu'on oublie, parce que le socialisme a beaucoup évolué, justement, le socialisme s'était étatisé et s'est nationalisé. On oublie toute la dimension internationaliste, par exemple, du premier socialisme. Mais on oublie aussi quelque chose qui est très important, c'est que le socialisme porte bien son nom. C'est l'idée selon laquelle la société, en tant que telle, a ses propres principes de fonctionnement, a son propre moteur, ses propres ressorts, finalement, qui permettent de se passer d'un principe unificateur extérieur. Et ça, c'est très fort aussi bien chez Saint-Simon, chez Fourier que chez Proudhon. Les socialistes, au sens propre du terme, sont des gens qui sont anti-souverainistes. C'est même, je dirais, le cœur de leur propos, en réaction à la Révolution française et à l'échec de la Révolution française, qui a débouché sur quoi ? Sur le despotisme napoléonien. Et tous ces gens qui veulent une autre révolution, qui veulent une révolution, mais une révolution différente, pensent qu'il y a eu une énorme erreur dans la Révolution française qui a consisté à laisser le pouvoir à des métaphysiciens ou à des légistes, c'est l'expression qu'utilise souvent Saint-Simon, par exemple, au lieu de se fier à ceux qui étaient les vrais acteurs de la société, à ceux qui étaient les producteurs de la société. Voilà, le grand mot, c'est les producteurs. Et c'est l'auto-organisation des producteurs, finalement, qui est l'objectif des socialistes. Et de cela, ils en tirent l'idée qu'on peut se passer de l'État. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que, finalement, l'atelier peut remplacer l'État, peut remplacer la République. On n'a pas besoin, finalement, de tout cet appareil détaché, séparé de la société, puisque la société, c'est d'abord et avant tout une grande coopération, c'est une grande coopérative de producteurs. Et c'est ça, je dirais, qui fait l'originalité du socialisme qui a été oublié, pas chez Marx, mais disons que tous ceux qui ont évolué dans le sens de l'étatisation du socialisme ont tout fait pour oublier l'antisouverainisme fondamental de la pensée originale et originelle, si je puis dire, des socialistes. Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur Marx, parce que le cas de Marx est tout à fait singulier. Mais Marx évolue, c'est-à-dire que la trajectoire politique et intellectuelle qui est la sienne témoigne d'une capacité à se laisser surprendre par l'événement, lorsque l'événement se produit. C'est le cas avec la Commune de Paris en 1871. Et en 1850, par exemple, dans les querelles internes au mouvement ouvrier allemand, c'est quelqu'un d'extrêmement méprisant à l'égard des démocrates petits bourgeois qui refusent la centralisation sur le modèle de la République jacobine de 1793. Donc, c'est vraiment là quelqu'un de très, très, très anti-auto. Selbstregierung, justement, l'autogouvernement communal, c'est quelque chose qu'il méprise. Mais en 1871, là est justement la prise de position qui est la sienne. Il commente la déclaration de la Commune du 19 avril, où il est question justement du gouvernement du peuple. Il insiste sur le fait que c'est une forme de gouvernement qui est inédite parce que c'est le gouvernement du peuple par le peuple,
et il oppose le gouvernement défini ainsi à l'État. Donc c'est quelque chose de totalement différent. Il n'y a pas du tout d'apologie de la centralisation, bien au contraire, il insiste sur l'originalité de la constitution communale en disant qu'elle a ceci d'absolument original, qu'elle permet à la société de reprendre le dessus sur l'État qu'il a complètement méprisé, foulé aux pieds pendant des décennies. Voilà, donc il y a vraiment de sa part une position tout à fait singulière. Quand on arrive par la suite, disons, au 20e siècle, il y a beaucoup de gens dans la gauche, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement social, qui vont abandonner cette critique de la centralisation de l'État et qui vont plutôt s'orienter vers des formes de réforme, hein, pour demander un État social, pour demander des services publics. Et ça va s'incarner aussi dans le keynésianisme, dans l'interventionnisme d'État. Donc, ça fait en sorte que pour beaucoup de gens dans la gauche en général, il y a comme une image positive de l'État quand même à certains égards. L'État, c'est quand même celui qui prend soin des populations à travers la santé, à travers l'éducation. Donc, selon vous, est-ce que c'est problématique qu'on ait cette image bienveillante de l'État? Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui voudraient tout simplement revenir à l'État de l'après-Deuxième Guerre mondiale ou des années 70 en disant le néolibéralisme a démantelé l'État social. La solution, ben, c'est d'y retourner, hein, de reconstruire l'État-providence. Quelle serait votre réaction face à ce genre de discours? Oui, ben, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État s'est profondément transformé. Il a multiplié ses interventions et, je dirais, son périmètre d'intervention. Il est devenu, bienveillant, providentiel, comme dirait Tocqueville. Il est devenu éducateur. Donc, il a beaucoup d'autres fonctions que celui qu'il avait originellement, qui était justement des fonctions de droit et de force. Mais c'est au prix, donc la vision positive qu'on peut avoir de l'État, c'est au prix d'un oubli, une occultation de ce qu'on a dit, c'est-à-dire de ce qui fait son principe, et son principe maintenu, qui est celui de la domination. On oublie trop que même à travers ses fonctions sociales ou ses fonctions éducatives, il y a dans l'État l'exercice d'une domination bureaucratique. Si on prend l'exemple de l'éducation, on le voit bien. Il y a bien sûr donc tout le travail des enseignants, justement, qui ne se résume pas à la pure et simple domination, mais on voit très bien que le corps enseignant et au-delà, donc les usagers de l'école, les élèves, les étudiants, etc., restent malgré tout dans un cadre où ils sont loin de pouvoir exercer, je dirais, une autonomie réelle ou un autogouvernement réel. Bon, à quelques exceptions près, peut-être dans l'enseignement supérieur, y a-t-il plus de marge de manœuvre pour les usagers et pour les professionnels. Mais de façon générale, on a affaire à quelque chose qui est comme une hybridation entre justement la production de services communs, c'est-à-dire la mise en commun de ressources par la société, par le biais de l'impôt, par exemple, ou une partie de la force de travail et de l'intelligence collective, il y a une mise en commun réelle pour satisfaire des besoins essentiels, mais en même temps, un accaparement et un contrôle de cette mise en commun par l'État. Et c'est ça qui est problématique, c'est que, précisément, il y a, en même temps qu'il y a cette mise en commun, une sorte de dépossession de la société, de ce qu'elle fait en commun. Elle n'est plus maîtresse de ce qu'elle fait du fait de commandement bureaucratique. Et on le voit, je terminerai là-dessus, on le voit parfaitement bien lorsqu'il est question justement du démantèlement, de l'affaiblissement, voire de la privatisation d'un certain nombre de services publics. Qu'est-ce que ça veut dire, ces privatisations que le néolibéralisme a multipliées? Eh bien, ça veut dire simplement que l'État donc se considère comme propriétaire justement de l'ensemble de ces moyens qui sont ceux produits par une mise en commun. Il s'accapare, d'une certaine façon, l'État s'accapare finalement la propriété de ces moyens. C'est ce qu'on appelle la propriété publique, qui devient propriété privée.
Et donc, c'est ça qui est fort problématique et dont ce ne se rend pas compte forcément tous ceux qui, justement, se contentent de cet appel à l'État, hein, comme si l'État était pur instrument, je dirais, des besoins de la population. Et ce n'est pas le cas. Bon, si j'entends bien votre message, au fond, en appeler à renforcer l'État, ce n'est pas la solution. On en arrive, au fond, à votre proposition, c'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Vous avez déjà commencé à parler de cette alternative dans le livre « Commun ». Alors, parlons, si vous voulez bien, de la cosmopolitique des communs qui est votre alternative à la souveraineté de l'État. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui a demandé aussi la question de la transition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Voilà. Alors, la transition, bon, c'est un problème énorme, mais en tout état de cause, le fait de désigner ou d'identifier l'alternative comme étant constituée par ce que nous appelons la cosmopolitique des communs, ça, c'est une chose qui est tout à fait importante, c'est peut-être le préalable. Ensuite, on peut se poser la question de savoir comment justement opérer la transition à partir de cette visée stratégique. Mais cosmopolitique, en effet, nous parlons de cosmopolitique et pas de cosmopolitisme, parce que la confusion est assez fréquente entre les deux, et nous sommes très attachés à l'idée justement d'une politique du monde. C'est pour ça que nous parlons de cosmopolitique, une politique qui a pour objet le monde, une politique qui prend le monde en charge. Alors que cosmopolitisme, ça peut désigner par exemple le fait de sentir citoyen du monde en termes, comment dirais-je, de disposition morale, par exemple, d'attitude, pas nécessairement d'ailleurs une attitude politique, même parfois une attitude antipolitique, comme ça a été le cas dans certaines périodes du développement du cosmopolitisme. Mais ici, ce qui est important, c'est justement cette idée de la cosmopolitique des communs, parce que nous nommons avec les communs le principe de l'alternative. Donc, la cosmopolitique des communs, ça signifie que c'est à travers le développement et, l'organisation et l'extension des communs que, justement, une politique peut prendre en charge le monde, qu'il peut y avoir une politique du monde. La seule façon pour qu'il y ait une politique du monde, c'est que les communs se développent, se fédèrent, s'auto-organisent, etc., et gagnent en puissance. Voilà ce que dit l'expression cosmopolitique des communs. Pour nous, les communs sont d'abord et avant tout des institutions d'autogouvernement. Ce ne sont pas des ressources, ni naturelles, ni artificielles. Ce sont d'abord et avant tout des institutions d'autogouvernement. Donc, ça répond à cette notion d'autogouvernement dont nous avons déjà parlé dans les réponses aux questions précédentes. Et c'est pour nous quelque chose d'absolument fondamental. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bon, si on considère l'État, nous ne nous interrogeons pas sur l'État en soi. Nous sommes extrêmement prudents à cet égard. Nous nous interrogeons sur la genèse et la formation de l'État moderne. Voilà. Et de l'État moderne, nous disons que c'est un État qui est souverain en tant qu'État. Il y a eu plein d'États, il y a eu des États ou des formes politiques, en tout cas antérieurement à la naissance de l'État moderne, mais on ne peut pas parler à leur propos d'État souverain en tant qu'État. Ça, c'est une caractéristique de l'État moderne. Alors, qu'est-ce que ça signifie, donc, la cosmopolitique des communs? Ça signifie d'abord que il n'y a plus, si on l'entend par État, un pouvoir exécutif central disposant d'un pouvoir de coercition sur toute la société. Bon, ça, c'est assez difficile à concilier avec l'idée d'une cosmopolitique des communs. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il n'y a plus d'organisation politique, par exemple, avec une différence entre pouvoir législatif, pouvoir judiciaire? Non, nous ne disons pas ça. Nous sommes pour... d'un certain point de vue, la division des pouvoirs. Je pense que c'est une des grandes faiblesses de la position de Marx à l'égard de la Commune en 1871 que d'avoir célébré la confusion entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif, comme si c'était là justement un avantage, alors que c'était une des faiblesses de la Commune. Bon, donc, nous sommes pour une organisation politique complexifiée avec une différenciation des pouvoirs, et en ce sens-là, bon, on peut parler d'un État, mais tout dépend du sens que l'on donne à ce terme. Ce qui est important, c'est justement cet aspect de cosmopolitique des communs qui exclut de manière assez décidée et résolue toute forme de représentation politique. Pour nous, c'est le plus important. La représentation, justement, c'est-à-dire la logique en vertu de laquelle un certain nombre de gens s'arrogent le pouvoir d'agir, de penser à la place de ceux qu'ils représentent. Ça doit être absolument clair. Donc, ça veut dire que si on doit conserver la notion de souveraineté, dans la conclusion du livre,
nous sommes plutôt, nous penchons plutôt dans ce sens-là, à ce moment-là, nous devons la réélaborer complètement. Donc, pour être très précis, il y a deux axes de cette réélaboration. Le premier axe, c'est que la souveraineté populaire, c'est le pouvoir de contrôle, c'est le contrôle actif et permanent exercé par le peuple sur les gouvernants. Je dis bien pouvoir actif et permanent, pas par intervalle périodique, le retour du vote. Ce n'est pas le choix des représentants, le vote étant précisément le choix du représentant ou des représentants. Là, c'est tout à fait différent. Est-ce que pour autant, ce pouvoir de contrôle réel sur les gouvernants signifie que le peuple, comme on se le représente généralement depuis en particulier le système 18e, détient un pouvoir absolu? Non. Non. Le pouvoir de contrôle sur les gouvernants ne signifie pas que le peuple soit détenteur d'un pouvoir absolu, c'est-à-dire qu'il soit placé au-dessus de toute loi. Ça, c'est un point fondamental. Et à cet égard, justement, une deuxième acception de la souveraineté qui nous semble tout à fait complémentaire et que nous empruntons d'ailleurs, puisque c'était, je crois, un entretien paru dans la revue Liberté, je ne me souviens plus exactement en quelle année, mais où Pierre Auroste-Tremblay, qui est un sociologue inou, faisait état d'une notion de souveraineté dans la langue inoue qui n'avait strictement rien à voir avec l'acception occidentale classique. Et selon lui, cette notion de souveraineté signifiait la responsabilité pour un territoire, la responsabilité d'un territoire, la responsabilité de l'entretenir, de veiller sur lui, de le protéger, de le léguer dans des conditions dignes aux générations à venir, etc. C'est une notion qui s'oppose terme à terme à la souveraineté de l'État, puisque la souveraineté de l'État, c'est l'irresponsabilité à l'égard des citoyens, alors que la souveraineté, entre guillemets, dont parle Pierre Auroste-Tremblay dans cet entretien, c'est justement le contraire, c'est-à-dire la responsabilité. C'est la responsabilité, donc ça exclut bien évidemment tout pouvoir absolu, là aussi. Il faut simplement dire que cette référence au peuple autochtone, pour nous, n'est pas une référence rhétorique, ça permet de poser la question du rapport des humains aux conditions qui font de la terre quelque chose d'habitable. Voilà. Et ça vaut aussi bien dans le rapport aux autres humains que dans le rapport des humains pris tous ensemble aux non-humains et aux vivants. Voilà. Oui, je me rappelle de ce texte-là de Pierre Auroste-Tremblay dans la revue Liberté. J'ai vérifié, c'est en 2016. C'est un texte qui s'appelle « À l'hiver 2016, la souveraineté comme responsabilité » pour les gens qui voudraient le consulter. Donc, je vais vers les questions de la salle, mais ça tombe bien parce que c'était une question que j'avais moi aussi. Évidemment, vous vous adressez à des gens qui sont au Québec. Vous savez qu'au Québec, il y a une longue histoire du souverainisme, de la revendication de l'indépendance nationale, etc., notamment pour la protection de la langue française, de la culture, qui sont fragiles dans une Amérique du Nord qui est plutôt en anglais. Bon, donc, la question que je vais vous poser, elle a été posée aussi par Jean-François, je vous la lis, donc c'est quelqu'un de la salle qui demande ça. Comme vous savez, au Québec, le souverainisme a été conçu depuis les années 1960 comme un projet d'émancipation pour une société maintenu dans une situation de subordination politique. Est-ce une pure illusion de penser que la création d'un nouvel État pourrait être l'instrument d'une autonomie collective? Donc, que répondez-vous finalement aux souverainistes québécois des années 60 à nos jours? Oui. Ben, peut-être que l'expression souverainisme, évidemment, est problématique, est à problématiser. Qu'est-ce qu'on entend par là? Évidemment, on voit bien que le mouvement indépendantiste québécois s'est inscrit aussi dans un contexte international d'accès à l'indépendance de centaines d'États à la suite du mouvement de décolonisation. Donc, évidemment, on comprend bien que ce qui s'est produit au XXe siècle a eu des effets sur toutes les populations qui étaient en position de subordination par rapport à des États qui étaient là vraiment des États souverains, c'est-à-dire qui appliquaient à des régions ou à des populations une loi que ces mêmes populations n'avaient pas du tout envie de se voir appliquer. Donc, ou des langues, ou des cultures, ou des religions, etc. Bon. La question, c'est au fond, quelle forme politique veut-on donner à, disons, l'indépendance ou à l'autodétermination du peuple? Nous ne sommes évidemment pas opposés
à l'autodétermination ou à l'indépendance, puisque d'une certaine façon, c'est une forme qui peut tout à fait se comprendre dans ce que nous appelons l'autogouvernement. Mais est-ce qu'il s'agit de refaire un État sur le modèle de celui qui était l'État oppresseur? Est-ce qu'il s'agit donc de faire un micro-État? On a beaucoup discuté, par exemple, avec des Catalans là-dessus, qui sont un peu dans la même situation et qui sont eux aussi divisés. Il y a des Catalans indépendantistes qui veulent un État avec toutes les prérogatives et tous les instruments de la domination et de la coercition de l'État. Et il y a d'autres Catalans qui pensent une autonomie qui prendrait la forme très différente d'une autonomie des communs, qui prendrait une forme politique originale telle que nous l'espérons. Donc finalement, je pense que quand on utilise le terme de souverainisme, on a simplement à l'esprit une des dimensions du terme. Et nous avons expliqué, nous montrons qu'il y a deux sens qui sont liés historiquement. La souveraineté externe, c'est-à-dire le fait de ne pas être dominé par une puissance extérieure, mais il y a aussi un sens interne, c'est-à-dire justement cette domination absolue et perpétuelle sur la population. Et donc, il faudrait clarifier ce qu'on entend exactement par souverainisme. Que veulent les souverainistes exactement? Il nous semble que le mot lui-même donc mériterait d'être interrogé, terme du fait même de l'histoire de la souveraineté de l'État. Oui, pour compléter un petit peu ce que dit Christian, je crois qu'en plus, il y a des conditions tout à fait spécifiques en ce qui concerne le Québec, qui explique qu'en effet, dans les années 60-70, ça ait pris cette forme-là, ce que d'aucuns donc appellent le souverainisme québécois. Ça a pris des formes d'ailleurs qui sont peut-être, qui demandent à être interrogées aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas dans la situation des années 60-70 et les formes que prend le mouvement au Québec sont un peu différentes de celles qui existaient à l'époque. Mais ce qui me paraît très important, c'est que quand on interroge les conditions de l'histoire du Canada, de la formation du Canada, alors c'était Éric Martin justement qui m'avait fait acheter dans une librairie du plateau du Mont-Royal il y a quelques années un bouquin de Stanley Ryerson sur confédération, capitalisme et confédération, pour être très précis je crois, le titre. Et c'est un bouquin qui est assez extraordinaire, mais qui montre que justement la souveraineté de l'État, si je puis dire, dans cette région, c'est la souveraineté par laquelle s'est construit l'État pan-canadien, avec l'acte justement de souveraineté qui est celui de 1867, c'est la Constitution, et là c'est un fédéralisme autoritaire, un fédéralisme unitaire, autoritaire, centralisateur. Alors toute la question, ça c'est une question de fond, est-ce qu'on veut l'indépendance du Québec sous la forme justement de la réitération de cette forme à une échelle plus réduite, ou est-ce qu'on veut tout à fait autre chose, ou est-ce qu'on veut rompre avec cette logique? Et à cet égard, pour revenir à Proudhon, je ferai une différence tout à fait importante, de mon point de vue, entre le fédéral et le fédératif. Et si nous revendiquons l'héritage de Proudhon, c'est précisément en raison de l'importance qu'il accorde à ce qu'il appelle, puisque c'est le nom d'un de ses derniers ouvrages, le principe fédératif. Mais le principe fédératisme, ce n'est pas la même chose que le fédéralisme. Le fédéralisme, les États-Unis, c'est le fédéralisme. Le Canada, c'est le fédéralisme. Tout ça relève d'une forme parfaitement bureaucratique et autoritaire. Dans le cas du Canada, c'était lié à l'unification du marché intérieur par la construction du chemin de fer. C'est ce que montre Ryerson. Donc, à cet égard, ça ne peut pas du tout être un modèle. C'est même au contraire un anti-modèle. Donc, toute la question est de savoir ce qu'on oppose à cet anti-modèle pour ne pas retomber dans l'erreur qui consiste à adopter une forme dominante, mais simplement avec une réduction d'échelle en miniature. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Le fédératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'atteler à la construction d'un commun politique et que ce commun politique doit non pas se rapporter aux peuples autochtones, par exemple aux Inuits, comme à des partenaires avec lesquels il convient de partager des responsabilités, mais ça doit intégrer les peuples autochtones comme co-constructeurs du commun politique, du futur et de l'avenir du Québec. Et ça me paraît tourner complètement le dos à ce qu'on appelle généralement le souverainisme d'État. Donc ça, c'est plutôt ce à quoi nous serions, nous, favorables.
C'est très intéressant. Ça rappelle un peu ce que Marcel Rioux, à une certaine époque, appelait socialisme autogestionnaire. Hein. Lui-même était très critique de la centralisation du pouvoir. Donc, ça me rappelle un peu les idées de Marcel Rioux. Je vais vers une autre question de la salle. Je n'ai pas le nom de la personne, malheureusement, mais ça concerne les violences interétatiques. Donc, je vous lis la question. Qu'en est-il des violences interétatiques réelles ou potentielles dans le façonnage des États modernes? Et donc, aujourd'hui, comment peut-on imaginer un État qui ne serait pas obsédé par sa puissance, notion qui s'oppose presque inévitablement à toute notion d'une réelle démocratie et d'une éventuelle décroissance? Donc, c'est la question de la puissance et des violences interétatiques. Oui, c'est très juste. La question est très juste. Enfin, il y a d'une part, dans l'histoire, on sait quelle part la guerre a eu dans celui qui pose la question ou celle qui pose la question appelle le façonnage. Oui, l'État, c'est qui l'historien qui explique justement que l'État s'est fait pour la guerre et par la guerre. Il y a de ça, évidemment, dans la logique de centralisation, dans l'expansion de l'administration fiscale, etc. Bon, et aujourd'hui, c'est de plus en plus net que nous avons pris un chemin extrêmement dangereux et tout à fait régressif avec la montée en puissance des rivalités interétatiques. Alors, elles sont idéologiques, elles sont commerciales, elles sont économiques, elles sont financières, elles sont de toutes sortes. Mais on voit bien qu'on va vers un monde qui est de plus en plus dangereux parce que de plus en plus marqué par l'affrontement de puissance. Et c'est bien pourquoi il faut prendre un chemin tout à fait différent de celui du nationalisme et du souverainisme étatique radical. C'est pour ça que nous disons que la gauche ferait une énorme erreur en s'engouffrant elle-même dans cette voie-là. Et nous avons été particulièrement inquiets, effectivement, de voir qu'une partie de la gauche qui se dit contre la mondialisation, donc était finalement très contente du Brexit, par exemple. S'inscrivant ainsi dans une logique d'affrontement, avec même parfois des relents xénophobes, anti-allemands, par exemple, qui sont justement des régressions extrêmement, extrêmement graves. Donc, oui, une politique du monde, c'est une politique qui vise directement à désarmer les États et justement à remplacer par une coopération mondiale instituée sous la forme de communs mondiaux. Voilà. Et ça, c'est un enjeu absolument fondamental aujourd'hui pour éviter le retour des guerres. Oui, juste pour compléter ce qu'a dit Christian, nous ne sommes pas, nous, des partisans du pur localisme. Nous insistons sur le fait que la plupart des communs qui se constituent aujourd'hui sont des communs qui sont situés dans des lieux qui ont leur importance, dont on ne peut pas faire abstraction, mais en même temps, nous sommes partisans d'un développement des communs, d'une fédération des communs, et par conséquent, nous sommes tout à fait opposés au culte des isolats, c'est-à-dire des formes de vie repliées sur elles-mêmes qui pourraient ensuite éventuellement faire tache d'huile, etc. Non, pas du tout. C'est la notion de fédération des communs qui doit justement l'emporter. Et cette notion est absolument essentielle parce qu'il n'y aura pas de commun, y compris, je ne parle pas simplement de l'échelle nationale, mais de l'échelle régionale, pas plus que de l'échelle internationale ou mondiale, s'il n'y a pas ce développement et cette coordination des institutions d'autogouvernement. Merci. On vous amène maintenant sur la question de l'écologie. Donc, je lis la question qui est venue de la salle aussi. Puisque l'État centralisé est un obstacle à l'établissement de solutions à la crise environnementale, croyez-vous que ceux-ci s'adapteront face à la nécessité de conserver un environnement viable ou cela signifie-t-il pour vous qu'il ne peut y avoir que des changements structuraux de l'organisation politique, possiblement selon un modèle cosmopolitique? Oui. Oui, enfin, bon, sur la question
de l'écologie. Donc, on l'a dit à reprise que c'est une évidence, enfin, ça devrait être une évidence que ça configure la politique aujourd'hui tout à fait autrement que celle, disons, du 19e et du 20e siècle. Bon, ça, tout le monde le sait. La question, c'est de savoir ce que fait l'écologie, je dirais, à la pensée, au projet, aux ruptures, aux politiques amenées. D'une certaine façon, j'ai l'impression que nous ne séparons pas la perspective des communs de la politique écologique, si je puis dire. Nous ne faisons pas de l'écologie un domaine à part. Un commun, c'est une institution autogouvernée, mais qui en même temps prend en charge, prend soin et de son environnement naturel et aussi des liens sociaux. Donc il s'agit de penser non pas simplement à l'articulation du social et de l'écologique, comme souvent on le fait, mais une perspective de changement, oui, structural, si on veut, hein, changement de structure, bien sûr, de système économique, bien entendu, mais justement où la question écologique est prise, finalement, dans une transformation totale du politique, de la forme politique même de nos sociétés. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on l'a pensé, en tout cas, dans le livre commun, mais sur laquelle... Question sur laquelle nous allons revenir dans un prochain livre qui s'appelle justement la cosmopolitique des communs. Nous travaillerons ça. Oui, ce qui me paraît essentiel dans cette idée, c'est que finalement, c'est pas l'environnement comme facteur extérieur qui importe quand on réfléchit en termes de coordination des communs. C'est pas du tout ça. En fait, c'est le rapport qui est très intime, qui est intérieur, que les communs entretiennent avec des milieux de vie. Et les milieux de vie font partie des communs. Les milieux de vie ne sont pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qui serait inerte, dépourvu d'activité et que les humains auraient à prendre en charge parce que eux peuvent agir, point. Non, c'est pas ça. C'est un lien vivant. Chaque commun est un lien, chaque institution d'autogouvernement est un lien vivant entre un collectif humain et d'autre part un milieu de vie qui peut prendre des formes extrêmement différentes. Donc il n'est pas exclu que sous la poussée de tel ou tel mouvement ou la pression très forte de telle ou telle partie de l'opinion publique, tel ou tel gouvernement soit amené à faire des concessions. Mais je ne vois pas du tout dans l'état actuel des choses un gouvernement prendre l'initiative d'une bifurcation radicale en tournant le dos à la logique productiviste et extractiviste qui est toujours celle de la plupart des États aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut se préparer à intensifier les coalitions de citoyens, les coalitions transnationales de citoyens qui ont commencé d'ailleurs à émerger dans beaucoup de pays sur la question du climat, et je pense qu'elles ne sont pas du tout prêtes de s'éteindre. Au contraire. Et à cet égard, le discours de certains représentants politiques attitrés de l'écologie, par exemple en France, c'est plutôt un obstacle que quelque chose qui va dans le bon sens. Donc il faut se préparer à cet égard à des mobilisations et à des mouvements qui doivent gagner en intensité pour imposer justement cette réorientation radicale. Je ne pense pas que ça puisse venir des États, compte tenu justement de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire de la logique de puissance qui anime les États existants. Merci. Il y a une question qui vient de Fabien qui demande « La justice pénale dépend des lois et de l'État. Dans un gouvernement d'autogouvernement populaire, quelle serait l'alternative à la justice administrée par l'État? » Oui. En fait, on peut très bien penser que il y a des lois, je veux dire qu'on n'est pas contre la production de lois. La question, c'est d'abord d'où viennent-elles, comment sont-elles faites, comment sont-elles discutées, par qui sont-elles élaborées. Il y a tout un travail, je pense, de réappropriation
du droit par la société. Il y a tout un courant depuis le 17e, 18e siècle qu'on a appelé un peu après coup le courant du droit social, c'est-à-dire finalement la réinscription de la production des normes juridiques dans et par la société. Donc, c'est une affaire à reprendre. Il y a un célèbre sociologue du français du XXe siècle qui s'appelle Georges Gurvitch, justement, qui est un grand tenant finalement de cette idée que les lois ne devaient pas être justement le monopole de l'État. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'administration de la justice, c'est-à-dire finalement les cours. Nous pensons effectivement qu'il doit y avoir la plus grande indépendance de la justice, mais encore faut-il que ça ne se passe pas comme dans un certain nombre de pays où la corporation des magistrats, finalement, accumule d'abord un certain nombre de prérogatives ou de privilèges et se coupe de la vie sociale pour exercer une sorte de despotisme, si je puis dire, de la décision juridique. Donc, judiciaire, c'est-on. Donc, la question se pose effectivement de savoir comment, disons, les communs, c'est-à-dire des collectifs, toi parlais Pierre, peuvent prendre en charge justement la mise en pratique, la mise en œuvre justement du jugement, pour lequel nous pensons qu'il y a là quelque chose d'indispensable. Là aussi, nous ne sommes absolument pas anarchistes en pensant qu'un monde sans loi et sans juge serait possible. Donc ça, il faut être aussi très, très clair là-dessus. La question, c'est effectivement penser l'organisation de la justice dans un monde de commun, suppose un travail spécifique. Moi, ce que j'observe, c'est que les juristes se mobilisent depuis un certain nombre d'années sur cette question, justement, du droit du commun et prennent au sérieux de plus en plus cette question du commun. Donc, il y a là quelque chose qui n'est pas encore arrêté. Il y a une réflexion en cours. Merci. Quelqu'un demande, peut-on dire que dans nos sociétés, la souveraineté de l'État, de même que la constitutionnalisation des règles du droit privé, s'affirme et se renforce par des situations de crise ou dans des états d'exception qui vont donner à l'État la légitimité de modifier les lois? Donc, grosso modo, est-ce que les États exploitent les situations de crise pour étendre leur emprise? Oui, bien sûr. La réponse me semble tout à fait affirmative parce que on fait une confusion assez regrettable entre l'exploitation justement d'une situation de crise et la création d'une situation de crise. Les États ne créent pas intentionnellement des situations de crise extrêmes pour pouvoir ensuite les instrumentaliser à leur profit. En revanche, lorsque les situations de crise se présentent, et elles se présentent d'une façon souvent inattendue et imprévisible, à ce moment-là, ils sont capables effectivement de mobiliser toutes leurs ressources pour instrumentaliser cette crise à leur profit. Et c'est ce qui se passe, on le voit justement avec les derniers développements du néolibéralisme. C'était le cas au moment de la crise de 2008, la crise des subprimes, puisque précisément il y avait une crise qui a surgi, qui a surpris un petit peu tout le monde, même si un certain nombre de gens avaient averti de la probabilité de l'irruption de cette crise. Mais il y a ensuite des discours plus ou moins vertueux qui ont été tenus par les dirigeants de certains États sur la moralisation de la finance, etc. Ça a duré à peine 6 mois, et ensuite ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire une aggravation du poids exercé par la domination néolibérale sur les sociétés, et c'est en train de se produire d'une manière assez analogue aujourd'hui, puisqu'il y a la pandémie, il y a des discours qui ont été tenus, alors Macron n'est pas le seul en cause, mais c'est vrai que je me souviens au moment de la première pandémie d'un certain nombre de discours sur le fait que le jour d'après ne sera absolument pas comme le jour d'avant, parce qu'il y a des choses qui ont été comprises, et notamment le rôle des soignants, le rôle du service public de la santé, du service public hospitalier, et on voit bien que ce qui se passe, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire un retournement visant à aggraver encore davantage la situation des services publics hospitaliers, visant à généraliser la forme du télétravail. On le voit dans les entreprises, où les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise sont tout à fait heureux
de pouvoir tirer profit de la situation qui est celle de la pandémie pour imposer des mutations décisives dans le mode de travail. Dire maintenant, vous voyez, vous vous êtes habitué à marcher avec le télétravail, eh bien, vous allez continuer. Et ça va nous permettre, par ailleurs, de faire des économies. Donc, tout cela est effectivement très, très important parce qu'on voit qu'il y a une tyrannie du télétravail qui est en train de s'imposer et qui est systématisée. Et il faut considérer, en effet, que c'est une façon pour le capitalisme néolibéral de tirer parti, d'instrumentaliser la situation créée par la pandémie. Merci. Une question qui vient de Philippe qui demande, en sachant que les libéraux et les néolibéraux ont repris à leur compte les arguments de leurs détracteurs, comme par exemple lors de la Société du Mont-Pèlerin, ils ont été capables de reprendre le discours des Keynésiens et de le retourner complètement. Quel est selon vous le meilleur moyen de leur couper l'herbe sous le pied, par le discours ou par la praxis? Oui, qu'est-ce qui veut dire par le retournement de l'argument keynésien? Je pense que la question, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire face à ces gens-là, sachant leur habileté de prendre les arguments de leurs adversaires et de les retourner de toutes sortes de côtés. Donc, comment est-ce qu'on peut contrer l'habileté des néolibéraux à récupérer tous ceux qui prétendent s'opposer à eux? Oui, enfin, nous, on a toujours insisté d'abord sur le fait que il n'y avait pas non plus à jouer trop au malin avec... avec les néolibéraux. Si vous voulez, il y a eu tentation, même plus qu'une tentation, une espèce de, d'opération d'une gauche gouvernementale qui a consisté à reprendre un certain nombre d'argumentaires néolibéraux pour espérer que après, plus tard, les choses iront mieux, etc. Je prends un exemple très concret, la construction de l'Union européenne. Voilà. Une partie de la gauche européenne, de la gauche social-démocrate, donc, a adhéré au projet européen en disant, bon, c'est très bien, la concurrence, c'est parfait, le grand marché, voilà, c'est parfait, ça va développer les forces productives, etc., selon un schéma assez classique, finalement, dans la pensée de gauche, à savoir le développement des forces productives accélérera l'avènement d'une société supérieure et meilleure. Bon. Et on a vu ça appliqué par la social-démocratie dans le cadre européen en disant on construit le grand marché et dans un second temps, finalement, on construira l'Europe sociale. Donc, il y avait voilà, une façon de jouer malin, quoi, de se croire malin, en adhérant aux objectifs néolibéraux pour les dépasser. Bon, et je crois que ça a amené la gauche social-démocrate au bord du gouffre, et même dans certains pays, dans le gouffre complet. Donc, je crois qu'il faut être, au contraire, extrêmement clair dans le refus, finalement, des logiques qui nous sont imposées, c'est-à-dire celle d'une concurrence généralisée. Ça, c'est extrêmement important. Et, évidemment, la bataille, elle est théorique, idéologique. C'est pour ça qu'on fait aussi des bouquins d'analyse et d'histoire. Mais évidemment, elle est dans les pratiques. Elle est dans les pratiques, c'est-à-dire dans les mobilisations, dans les luttes. Mais pour nous, elle n'est pas seulement dans les luttes et les oppositions et les mobilisations, elle est aussi dans les expérimentations. Il nous semble extrêmement important de ne pas attendre le grand soir, la révolution ou je ne sais quoi, pour commencer à changer la société. C'est-à-dire que cette idée que la révolution se fait toujours en deux temps, on prend le pouvoir et ensuite on change la société, tout ça, à notre sens, est totalement révolu. Il faut justement mener de front et les luttes et les expérimentations. Ne serait-ce que parce que le jour du basculement, comme dirait Jérôme Bachet, d'une certaine façon, les bases d'un autre système, une partie des bases, en tout cas, seront déjà là, auront été déjà expérimentées. Et qu'un certain nombre de sujets, de subjectivités, auront changé par des pratiques nouvelles. Merci beaucoup. On vous amène maintenant sur la question, on pourrait dire, de l'organisation municipale. Il nous reste environ une vingtaine de minutes, donc on va essayer de
de traiter ce sujet de la question de l'organisation des villes. Alors, deux questions, je vous les lis une à la suite de l'autre. La première nous parle, elle vient de Amy Samoisette qui nous dit « Il y a un projet de mini-maison dans la ville de Sherbrooke où on a créé une communauté où les gens doivent faire du bénévolat 10 heures par semaine dans cette communauté. Les maisons sont rattachées les unes les autres par des petits chemins qui favorisent une meilleure essence ou communauté humaine. » J'imagine que c'est ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on devrait appliquer ce principe dans chaque ville et que ça prenne de l'expansion? Donc, comment réorganiser finalement l'habitation et tout ça en commun? Et deuxième question de Dan Marquez. Que pensez-vous de l'expérience de Barcelone avec Barcelona en Comú? La gestion civique et les partenariats publics communs, serait-ce une forme d'autogouvernement, disons, hybride avec un État local municipal, mais décentralisé et partenarial avec les citoyens? Bon, il y a beaucoup de choses dans cette question-là. Les maisons, les mini-maisons, je ne connais absolument pas donc, l'expérience dont il est question, donc c'est difficile de répondre. Mais de toute façon, ce qui est de nature à favoriser une décentralisation de l'habitat et de la participation à la vie politique sur le plan local me semble bienvenu. Toute la question est de savoir quelle portée on donne à une telle expérience. Est-ce que ça va jusqu'à des formules d'habitat coopératif? Est-ce que ça va jusqu'à la construction ou la co-construction de quartiers alternatifs, comme c'est le cas par exemple à Bruxelles, où il y a à la fois des représentants de la municipalité, des architectes et des citoyens qui sont amenés à prendre en charge la construction d'un nouveau quartier. Bon, ça, ça relève précisément d'un commun. C'est précisément un commun qui met, comment dirais-je, qui fait appel à des volontés, à des compétences qui sont très diverses sur le plan local. C'est très, très local. Mais je crois qu'on ne peut en effet qu'être favorable à ce genre d'initiative. Alors maintenant, municipalité, bon, municipalisme et communalisme, comme dirait l'autre, que je suppose que derrière, il y avait quelque chose qui était de l'ordre peut-être d'une référence aussi à Murray Bookchin, puisque c'est une référence qui est d'ailleurs aussi une référence que les gens de Barcelone en commun partagent. Hein. Mais la question est de savoir ce que l'on fait des institutions dans lesquelles on travaille. Voilà. Investir les institutions, c'est une chose. Mais investir les institutions, pourquoi ? Investir les institutions dans une logique de transformation qui vise à remettre en cause le fonctionnement qui était celui de ces institutions auparavant. Ça, ça vaut le coup. Mais ça implique de se dégager en même temps de la logique inertiale qui est celle de ces institutions. Et contrairement à ce qu'on croit, lorsqu'on arrive dans des institutions qui sont déjà anciennes, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas quelque chose de malléable et qu'on n'en fait pas ce que l'on veut et qu'il y a justement des résistances ou des obstacles que l'on rencontre qui exigent que l'on s'appuie sur la mobilisation des citoyens et sur la participation des citoyens. Alors moi, je suis incapable de tirer un bilan de ce qui a été fait par Barcelone en commun, mais j'ai l'impression qu'il y a des tensions ou des tiraillements qui viennent justement de cette difficulté à s'appuyer sur les deux choses, c'est-à-dire à la fois la participation de l'intérieur aux institutions et en même temps l'appel à la mobilisation des citoyens pour non seulement pour débloquer les situations, mais parce que c'est la mobilisation et la participation des citoyens qui doit constituer la règle. Merci Pierre. Une autre question qui vient de Louis. Comment imaginez-vous la gestion des communs négatifs, comme par exemple de la radioactivité qui s'échapperait d'un sous-marin nucléaire au fond de la mer ou des déchets radioactifs, une centrale nucléaire? Bon, j'ajoute là, des informations qui ne sont pas dans la question, mais comment est-ce que la société va pouvoir traiter ces problèmes si elle se constitue sous la forme de communs pour affronter, par exemple, des déchets nucléaires? Oui, commun négatif, j'aime bien l'expression. Je ne connaissais pas, oui. Je connaissais l'impôt négatif, mais... On connaissait les externalités négatives. Bon, non, mais on retient l'expression commun négatif, mais on remercie Louis de cette suggestion terminologique. Donc, oui, c'est souvent en économie mainstream, c'est ce qu'on appelle justement les externalités négatives de l'activité économique. Alors, d'abord, il y a un principe de responsabilité aussi. Je ne sais pas
de quel sous-marin qui rouille au fond de la mer il s'agit, peut-être des sous-marins de l'ex-Union soviétique, enfin je ne sais pas, il est évident que là pour l'instant en tout cas, la question de la responsabilité des États est engagée. Donc il y a là quelque chose qui doit être rappelé, puisque on est encore dans une organisation interétatique. Mais il ne s'agit pas que toute l'humanité répare ce que des acteurs économiques privés ou des acteurs économiques étatiques ont fait. Mais de façon plus générale, puisque se pose la question de la pollution, se pose la question du climat, comme la question de la pandémie aujourd'hui, encore une fois, ces questions ne pourront pas être résolues sans une institution, des institutions politiques, une légalité, une production de l'égalité au sens de loi, hein, de la légalité mondiale ou globale. Et donc, c'est bien, c'est pas simplement des appels, je dirais, à la morale qui régleront le problème. C'est un droit. Et ce sont des forces coercitives qui accompagneront cette politique du monde qui pourront régler le problème. C'est-à-dire qu'il faudra bien, évidemment, sanctionner, il faudra punir les acteurs nationaux ou locaux qui ne feraient pas ce qu'ils doivent faire pour protéger le climat ou réduire les émissions polluantes ou la radioactivité. On arrive à la dernière question de la salle. Elle vient de Félix qui demande « Quelle conception de la gouvernance permettrait de résoudre et de rallier la rivalité actuelle entre d'un côté la réalisation de l'individu qui est soumis au principe de performance et de l'autre côté l'essor d'un sentiment, d'une conscience du commun, la lutte contre les inégalités, les préoccupations environnementales. Donc, c'est l'opposition finalement entre l'individu pressurisé par la performance d'un côté puis la nécessité de développer la culture du commun de l'autre. Comment régler cette antinomie? Je ne sais pas s'il faut la régler, dans la mesure où, en effet, c'est une antinomie qui est, finalement, en tout cas, qui peut être féconde. Ce que je veux dire par là, c'est que les pratiques du commun se situe précisément en opposition avec la logique de ces pratiques-là, qui sont des pratiques de concurrence entre les individus, mues par l'impératif de la performance. Donc, entre les deux logiques, qui sont des logiques de pratique, finalement, il y a une opposition qui est assez directe. Alors, il faut intervenir sur cette opposition pour renforcer précisément les pratiques qui sont celles du commun. Je crois que la seule possibilité, justement, de faire pièce à cette logique individualisante qui est celle de la concurrence, c'est le développement des communs. C'est précisément la mise en œuvre pratiquement d'un esprit coopératif. Ça n'est pas une opposition de principe comme ça, c'est une opposition de pratique. C'est une opposition qui se situe sur le terrain des pratiques. Donc, il n'y a que des pratiques de coopération qui sont celles précisément des communs, qui peuvent venir s'opposer aux pratiques de la performance. Mais les pratiques de la performance sont des pratiques qui vont, qui accompagnent le capitalisme néolibéral jusque dans l'entreprise, la plus petite entreprise, le plus petit rapport à l'intérieur d'une entreprise, et même au-delà de l'entreprise et des murs de l'entreprise, puisque c'est quelque chose qui vient modeler des relations sociales à l'extérieur de l'entreprise. Oui, juste pour compléter ce que dit Pierre, dans la question de Félix, il y a quelque chose d'assez problématique parce que Félix nous dit que finalement, il y a un rapport entre réalisation de soi et performance, la réalisation de l'individu par la performance. Alors, je ne suis pas du tout sûr que cette expression renvoie vraiment à quelque chose de consistant parce que justement, l'individu ne se réalise pas forcément dans la performance, il peut aussi s'abîmer, il peut aussi s'esquinter. Dans le dernier livre, on essaie de montrer justement que les logiques d'intensification de la performance
font de l'individu un ennemi de lui-même, l'ennemi de soi. Foucault avait développé cette idée de, que le néolibéralisme suscitait chez chacun, dans son intime subjectivité, quelque chose comme l'entreprise de soi. Or, en fait, on s'aperçoit, et il y a une littérature immense qui décrit que, justement, l'individu ne se réalise pas tant qu'il ne se détruit, qu'il ne s'abîme, qu'il ne se nuit à lui-même, puisque le fait est, c'est qu'il est obligé, en intériorisant les normes de la performance, justement, de ne pas faire bien ce qu'il veut faire, de ne pas faire bien son travail, puisque ce travail devient quantifié, qu'il est soumis à des scores, à des objectifs, etc. Donc, c'est pourquoi je crois qu'il y a aujourd'hui, et dans le monde du travail, une aspiration à tout à fait autre chose que la soumission à la performance. Il y a quelque chose qui fait que les individus cherchent plutôt, ou chercheraient plutôt, ou aspireraient à se réaliser par des pratiques de coopération, d'entraide, de solidarité, etc. Et je dirais même que les managers intelligents essayent d'utiliser, d'exploiter cette aspiration à la coopération par justement ce qu'on appelle la gestion de l'intelligence collective ou des choses comme ça. Il y a une reconnaissance finalement, même par le management capitaliste, de cette aspiration, de cette volonté de se réaliser par justement une production en commun. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions de la salle. Et donc, on peut considérer, je pense, il restait une dizaine de minutes, mais comme il n'y a plus de questions, on peut considérer qu'on va terminer la conférence maintenant. Alors, j'aimerais ça vous remercier, d'abord à tous les gens qui ont participé, mais surtout à Christian et Pierre qui ont pris, je vois que le soir tombe chez vous, donc qui ont pris le temps de venir avec nous aujourd'hui pour nous parler pendant presque 2 heures. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et merci encore aux gens aussi qui ont posé des questions. Alors, je vous dis à la prochaine fois, j'espère, en personne, quand cette pandémie sera derrière nous. Et qui sait, peut-être serons-nous dans un monde cosmopolitique du commun en ce moment. Je le souhaite. Alors, je vous remercie beaucoup. Les questions étaient super. Merci à tous. Là, c'était vraiment très bien. Merci à toi, Eric. Merci aux collègues. Salle, très bien. Oui, c'était super. Merci aux collègues aussi qui ont aidé à organiser cette série de 5 conférences du département de philosophie du Collège Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, je vous dis à la prochaine à tous et toutes. Bonne soirée à vous en France et au Québec. Nous, il reste un peu de soleil, donc on va aller en profiter. Ça va, vous avez le temps d'en profiter. Nous, on est confinés, c'est le couvre-feu. Au revoir, camarades. Allez, au revoir. Salut.